on est présentement à chasse au petit gibier, mais spécial cette fois-ci, là. Oui. Donc, on est avec ton chien. Oui. Ria. Regardez. Mon chien, c'est un épagneul français. C'est un chien d'arrêt. Son travail à elle, c'est au champ, lorsqu'elle voit les oiseaux, elle arrête. Elle va les pointer avec son nez. Elle doit rester à l'arrêt tout le long de la séquence, jusqu'à ce que j'aille faire lever l'oiseau. J'ai des tireurs avec moi qui doivent le tirer. Et après ça, sur commandement, le chien va aller chercher l'oiseau, le petit gibier, va nous le rapporter. Donc ça, c'est notre séquence. L'avantage d'avoir un chien d'arrêt quand tu vas à la chasse. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis si quelqu'un voudrait pouvoir l'entraîner, comment ça fonctionne? Bien, au Québec, il y a différents clubs où on peut aller. Donc moi, j'entraîne au club de chien d'arrêt, le polyvalent. Et on a du travail sur des oiseaux là, dans un champ. C'est comme ça qu'on l'entraîne. Puis on a beaucoup, surtout, de devoirs à faire à l'extérieur du champ. Ah, parfait. Là, je pense qu'elle a hâte de repartir. Hein? Oui, c'est ça, parce que là, elle voit qu'on peut aller en chercher d'autres. Ah, mais oui. En plus, on peut faire des compétitions avec le club canin canadien pour aller chercher nos titres là, pour les chiens juniors, etc. On peut aller jusqu'à avancer. Super, c'est vraiment une belle chasse à faire, là. Sérieux, c'est le fun, c'est vraiment différent qu'il n'y a pas de chien, là. Oui. C'est plutôt un autre tout le monde, mais c'est vraiment le fun. Enfin, je pense qu'on va la laisser partir, oui. Hein? Alors... Break! Yeah, hey, go! Allez, on cherche! L'avantage du chien, c'est que ça te permet de voir des oiseaux que ça ne fait pas sinon. Ouais. Ok, go les filles! Allez, on cherche!